comparativement à celle de Christ. Voilà. Merci. Merci, que le Seigneur vous bénisse. J'ai l'impression que mon clavier ne veut pas s'allumer aujourd'hui. Namoni lokola clavier nanga le kobeta tie. Ça va? Ok, c'est bon. Merci. Est-ce que nous pouvons pendant une minute élever le nom de Dieu et inviter sa présence au milieu de nous? Na minute moko kotombola komo na nzambe. Dis Seigneur, je dispose mon cœur parce que je crois que tu me parles. Prie au nom de Jésus. Hallelujah. Hallelujah. Qui est comme toi, Père? Qui est comme toi? Nani azali lokola yo? Qui est comme toi, Père? Nani azali lokola yo? Qui est comme toi? Nani azali lokola yo? Qui est comme toi, Éternel? Shakata bakarabasa. Yeah.
Avec nos mains, seulement avec l'assemblée, tout devant nous. Je vois. Encore une fois, église en ce lieu. Écoute ça, écoute ça. Emmanuel, ensemble.
ce cri de joie pour le roi. Quelqu'un peut acclamer pour Jésus. Encore une fois, encore une fois. Encore une fois. Parfait, il est merveilleux. Est-ce qu'on peut pas clamer pour le roi de rois? Luc chapitre 13. À partir des 10, deuxième verset jusqu'au 17e. Je voudrais que nous puissions honorer la parole de Dieu. Lui combien? 13. 10 à combien? À 17. Merci. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Quelqu'un peut me dire à moi le jour du sabbat? Le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: femme, tu es délivrée de ton infirmité. Est-ce que tu peux répéter pour moi? Femme. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et lui imposa les mains, et à l'instant elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, et dit à la foule: il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ce jour-là et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la craie son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham, qui est appelée une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Et qu'un dit après moi, cette chaîne, le jour du sabbat. Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus
Et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Acclamant très fort pour la parole du Seigneur. Merci. Alors on est en train de parler sur que ton règne vienne. Et hier nous avons appris beaucoup de choses au sujet du brigand. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler de la délivrance comme signe visible du règne de Dieu. Quelqu'un peut dire, bon, la délivrance. Délivrance. Un signe visible. Un signe visible. Du règne de Dieu. Du règne de Dieu. Plus fort que ça, la délivrance. La délivrance. Un signe visible. Un signe visible. Et tangible. Et tangible. Du règne de Dieu. Du règne de Dieu. Matthieu chapitre 12, verset 28. Bukuya Matayo Mokapoya Dominami Bale. D'ici, c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons. Le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Et ce qui est ali, namo sapina zambe ne nazo bengana ba démoni, bokonzi na zambe ekiti e pa inabino. Donc ce verset nous montre clairement que là où il y a l'établissement du règne de Dieu, la délivrance devient comme un signe visible. Jésus dit ici, si les démons sont chassés. Et que si c'est par l'Esprit de Dieu que je fais ces choses, si c'est par l'Esprit de Dieu que les gens sont délivrés, alors le royaume de Dieu, en d'autres termes, le règne de Dieu est venu. Comme pour dire, il est impossible que le règne de Dieu s'établisse dans un lieu sans qu'il n'y ait la délivrance. Alors je voudrais essayer de contextualiser la pensée que je vais donner ce soir avant que nous puissions avoir le temps de continuer les services. Un jour, Jésus entre dans un temple, dans une forme de synagogue. Qui peut être appelé aussi temple. Synagogue. Synagogue. Des petites assemblées où les gens se réunissaient. Pour lire la loi et partager la parole. Et la Bible dit, Jésus entre ce jour-là. Et il a commencé à enseigner. Et pendant qu'il enseignait. La Bible dit qu'il y avait une femme là qui était courbée. Et cette femme était possédée d'un esprit impur. Et la Bible dit qu'elle a essayé maintes fois de se redresser, mais elle ne pouvait pas. Alors, il me dit, Jésus, pendant qu'il enseignait, il va stopper sa prédication, localiser la femme pour lui dire qu'aujourd'hui, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et la Bible dit, il lui imposa le main. Et au même moment, cette femme fut guérie. Et d'un coup, il y avait des gens mécontents. Des scribes qui n'ont pas apprécié un miracle qui a pris place le jour du sabbat. Ils ont commencé à dire, mais il y a au moins deux jours pendant la semaine où vous pouvez venir vous faire guérir, mais comment vous pouvez venir le jour du sabbat pour faire venir, pour faire guérir. J'aime la réponse de Jésus. Il dit, mais cette femme qui est une fille d'Abraham, ne fallait-il pas la délivrer? Elle qui était enchaînée pendant 18 ans. Et la Bible dit que pendant qu'il parlait ainsi, ses adversaires furent dans la confusion. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Alors,
Alors je voudrais définir légèrement la délivrance. Na lingi na pesa ndimbola ya oyezali bokangolami. C'est quoi la délivrance? Bokangolami yango ezali nini? Parce que nous parlons de la délivrance comme un signe visible du règne de Dieu. Tozolo bela ete bokangolami ezali elembo ezomonana ezotalisa bokonzi na Nzambe. La délivrance est seulement l'acte délibéré celui qui est oppressé. Yango ezali ekela moko ezosala ete moto akangami ayeba na kosikolama. C'est le fait de libérer celui qui est oppressé. Ezali ekela ya kopesa bosomi na moto wapi akangami. Ou déloger les forces qui bloquent la destinée d'un homme. Tope koyeba na kopikola to kobenga na bokasi ezokanga ndele na moto. Définition très simple. Donc c'est le fait simplement de libérer celui qui est oppressé. Ezali ekela moko ya kopesa bonsomi na moto akangamaki. Et de chasser ou d'expulser les forces qui étouffent une destinée. Kobengana tope kopikola kobwaka libanda bokasue bandaki kokanga ndele na moto. Mais je peux aller encore plus loin pour dire que la délivrance est une nécessité quotidienne pour une vie chrétienne victorieuse. Bona kokende mosika na koloba ete bokangola miyango ezali eloko esengeli mikolo nyonso na bomo ya bo Kristo. Elle est une nécessité quotidienne. Ezali eloko esengeli na mokolo nyonso. Et je vois ça dans Matthieu chapitre 6 verset 13. Na moni yango na buku ya Matayo mokapo na yango. Jésus dit lorsque vous priez, dites ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Parmi les sujets importants qui doivent caractériser une prière dans la vie d'un croyant, Jésus n'a pas oublié la délivrance comme une nécessité quotidienne. Nakati ya makambo esengeli mo Kristo ayebaka na kosambela to kosenga Nzambe, Yesu abosanite kobeta sete na oyezali bokangola miya mokolo na mokolo. Parce que la délivrance ne doit pas se limiter ou se définir seulement par rapport à ce qui se passe dans une salle quand l'onction ou la gloire de Dieu est libérée, mais Dieu vous délivre de plusieurs dangers au quotidien parce que c'est un Dieu qui vous libère et qui vous assiste. Bokangola miya ezali kaka te oyeza kosalema na esika moko na tango na sambo tango mafuta tope mo pepe ya nguye efungwa mikasi ezali makambo esengeli ezala na mikolo nyonso na bomo ya bo Kristo. La vie est exposée à beaucoup de dangers. Bomoi ezali boso ya makama ebele. Et chacun de nous a besoin que Dieu le délivre au quotidien par rapport à une situation qui peut éteindre sa destinée ou qui peut éteindre la gloire que le Seigneur a posée sur sa vie. Moko moko na biso azana bosenga ete mikolo nyonso Nzambe ayebaka na kokangola na makambo ekoki kotelemela to pe kojipandele na ye. Est-ce que sais-tu que le fait que tu sois ici ce soir, saint et sauf, tu as été délivré de beaucoup de choses qui se sont passées en route? Yo oyebi ete kokoma na ona esika oyo elakisi ete yo kangolami na makambo ebele oyo ekokaki kozwayo na nzela ntango oza koya. Donne-moi un bon amen. Bisanga amen na malunga. Je dois aussi avouer que la délivrance est l'un des grands signe, comme je l'ai dit dans l'introduction, de l'établissement du règne de Dieu dans un lieu ou dans une vie. Et sengali pena lobaete bokangolami ezali elembo oyo misu eza komona na esika oyo bokonzi na Nzambe yebi na kovandisama. Le règne de Dieu est invisible. Bokonzi na Nzambe yango emona na kate. Mais comment savoir que ce règne là est établi quelque part? Kasi lolenge nini yokoyeba ete bokonzi wana evandisami na esika moko. L'un des signes visibles du règne de Dieu, c'est la libération des âmes oppressées. Moko ya bilembo ya bokonzi na Nzambe ezali bokangolami na bato. Donne-moi un bon amen. Pesanga amen. Et pour finir en donnant la définition, pepo na kosukisa oyo ezali bandimbola, la délivrance est un héritage de croyants. Bokangolami yango ezali libula pona bandimi. C'est un héritage. Ezali libula. C'est un héritage de l'œuvre de la croix. Ezali libula otozwa na mosala na ekulusu. Christ a accompli l'œuvre à la croix. Christ ye akokisaki mosala na ekulusu. Et cette œuvre de la croix nous apporte la délivrance comme un héritage et une bénédiction qui nous accompagne dans notre marche chrétienne. Et je voudrais le dire
Quand Christ était mort à la croix, tu n'étais pas là. Et comment savoir que l'œuvre de la croix est efficace? C'est lorsque la délivrance qui prend place dans ton présent est effective. À ce moment-là, l'œuvre de la croix devient rétroactive. C'est-à-dire, c'est une œuvre qui est déjà passée, mais dont les effets continuent jusqu'à présent. Et j'aimerais déclarer aujourd'hui, on sentira l'odeur de la croix ce soir. Ah oui, on aura les effets de la croix ce soir. Celui qui me donne un bon amen, je prêche la parole. Alors rapidement, nous allons faire quelques petites observations. Écrivez quelques petites observations sur la réalité de la femme. De la femme courbée. Et c'est sur ça que je veux poser mon fondement pour qu'on ait le temps de décoller. Remarquez ces petites choses que je veux relever. Un, son nom est inconnu. Mais elle est identifiée par sa situation. Je répète. Le nom de cette femme est inconnu. Mais elle est identifiée par sa situation. La Bible dit seulement, il y avait là une femme. Oui, possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Ma question est celle-ci. Luc, l'écrivain. Pourquoi tu as checké toutes les informations au sujet de la libération de cette femme? Mais tu n'as pas voulu t'enquérir de son nom. J'ai compris que dans le monde où nous sommes, toute situation que tu ne combats pas finira par enterrer ton nom et devenir ton élément d'identification. Et c'est pourquoi je viens déclarer toute situation qui a pris ton nom, toute situation qui a enterré ton nom, aujourd'hui nous allons déplacer cette situation. Parce que ton identité doit revenir. Tu me donnes un bon amen et je prêche. Je voudrais encore répéter une chose. Le manque d'identité ne t'exclut pas de la liste de ceux que Dieu veut visiter. Même si le nom de la femme n'est pas cité, je sens une phrase dans mon cœur. Si on ne te connaît pas par ton nom, on ne te connaîtra pas ton miracle. Nous ne la connaissons pas par son nom, mais nous sommes en train de la connaître par son miracle. Je dois annoncer à un homme. Peut-être que ton nom n'est pas connu parce qu'il est écrasé par des situations. Mais Dieu m'a mandaté de dire, ton miracle va ressusciter ton nom. Je dis, ta délivrance va ressusciter ton nom. Il y a des gens dans cette salle qui ne te connaissent pas, mais il y a quelque chose de époustouflant que Dieu va faire, qui va pousser les gens qui ne s'intéressent pas à ton nom à demander quel est ton nom. Dis à ton voisin, c'est maintenant que tu dois chercher à connaître mon nom. Si tu ne le connais pas maintenant, mon miracle va t'envoyer sur Google. Tu vas aller Google pour savoir qu'est-ce qui s'est passé à Kinshasa. Celui qui me donne un bon amen, je parle. Et j'ai envie de dire une chose. Le monde nous identifie par ce qui fait notre honte. Mais Dieu utilise ce qui fait notre honte pour démontrer sa gloire.
Je dois répéter une chose. Dieu considère ton problème comme une plateforme de puissance. Tout celui qui a une situation qui a enterré son nom, sache que tu es qualifié pour une restauration ce soir. Et pendant que je prêche, j'ai envie de dire à quelqu'un, la spécialité de Dieu ne se découvre pas là où tout est en bonne forme. La spécialité de Dieu, de son onction et de sa puissance, se découvre là où il y a le chaos. C'est pourquoi quand vous ouvrez votre Bible, vous ne trouvez pas une terre qui a une forme. Vous ne trouvez pas un endroit confortable. La Bible commence dans le chaos. Et la Bible dit au commencement, Dieu, c'est-à-dire que la spécialité de Dieu commence là où tout est détruit. Et je viens déclarer ce soir, si tu viens d'une famille qui n'a pas de forme, une famille qui est vide, tu es qualifié pour que Dieu commence. Tu me donnes un bon amen et je prêche. La Bible déclare, c'était au noce de Cana où Jésus a fait son premier miracle. Mais ma question est celle-ci. Pourquoi Jésus laisse le temple? Pourquoi Jésus laisse le désert? Mais il veut commencer son premier miracle à un endroit appelé noce de Cana. Oh, quand je check Cana, Cana signifie roseau agité. Or, un roseau n'est pas stable. C'est caractérisé par l'instabilité. Et c'est là que Jésus est allé pour commencer son ministère. Si tu es en ce lieu, tu es comme un roseau agité, instable. Tu es qualifié ce soir pour que Dieu commence chez toi. Tu me dis trois fois amen, la parole vient. Son nom est inconnu. Mais elle est identifiée par sa situation. Deux. Remarquez. Présente au temple. Mais contrôlé par un esprit. Répète à ton ami, présente au temple. Présente au temple. En train d'écouter la parole. En train d'écouter la parole. Mais contrôlé par un esprit. Mais contrôlé par un esprit. Je dois le dire. Être au temple ne signifie pas qu'on est automatiquement délivré. Il est possible d'être au temple, mais contrôlé par un esprit. Et moi je suis venu dire à l'église aujourd'hui, tout esprit qui t'a suivi ici, toute force qui est entrée ici est en problème dans quelques minutes. Tu me donnes un bon amen et je parle. Et je me retire à toute l'église. Ce n'est pas parce que nous sommes à l'église que automatiquement nous sommes délivrés de tout. Je vais te montrer une chose peut-être que tu n'as jamais vue. S'il y a eu guerre au ciel, où il y a l'ordre, où Dieu est saint, où Dieu est organisé, où les anges sont soumis à Dieu, mais dans un territoire de sanctification, il y a eu guerre. Que dire de l'église? Si un ange qui vit dans la présence de Dieu a été envoyé par le Seigneur et a été résisté pendant 21 jours, un ange qui est saint, un ange qui vit dans la présence de Dieu, que dire de toi, l'enfant de Kabea? Bongo pona yo mwana yakatombe. Donne-moi un bon amen, je parle.
Si dans les conseils de Dieu, selon Job, Satan pouvait entrer, lever la main et accuser Job et attaquer Job. Que dire de notre assemblée ici? Ce que je veux dire, c'est quoi? Il y a des petites forces qui sont venues aujourd'hui à la poursuite de certaines vies. Dieu m'a mandaté ce soir pour leur dire que c'est pour la dernière fois. Je dis, c'est pour la dernière fois qu'ils poursuivent ta destinée, qu'ils contrôlent ton mariage. Donne-moi un bon amen, je prêche. Que les dieux de la délivrance commencent à mettre en trouble les esprits qui contrôlent ta destinée. Troisième constat. Papa Henri présente dans le temple mais enchaîné par Satan. Papa Henri azalaki na temple okasi akangami na minyololo. Présente où? Au temple. Mais enchaîné par qui? Donc il est probable que tu sois dans l'église. Et qui peut que ça le met dans une église? Mais sous l'oppression de Satan. Kasi yozana se ya bokangami ya Satan. Enchaîné par Satan. Ozana minyololo ya Satan. Et des enseignements comme ça, quand on les donne juste en parlant, il y a toujours une catégorie de gens qui ne croient pas. Ce qui fait que ce sont des cultes qui, quand ça se termine, même les démons regrettent pourquoi ils t'avaient laissé venir ici. Parce que nous n'allons pas terminer ces cultes sans qu'un sorcier de ta famille ne se pose la question: qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Parce qu'il y a quelque chose qui va se faire. Même au village où on... ils vont se poser la question: qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Demain, il y a des gens qui ne se tiendront pas debout dans ta famille parce qu'il y aura des paralysies brutales. Parce qu'au ciel, il y a un Dieu qui juge Satan et les démons. Tu me donnes un bon amen, ces choses commencent. Présente ton temple, mais enchaîné. Quatrième chose. Homme de Dieu. Ça me touche. La chaîne était présente mais invisible. Dis à ton voisin: présente mais invisible. Présente mais invisible. Donc ce n'est pas parce que tu ne vois pas ce qui te contrôle que c'est absent. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas un combat qui est présent qui n'existe pas. Et ce qui me plaît, c'est de voir que personne, à part Jésus, n'était capable de voir. Donc ton incapacité à voir dans le monde spirituel n'annule pas la présence du combat qui est tu as. Pendant 17 ans, pendant 18 ans, ils étaient incapables de comprendre que ce qui causait la courbure, c'était la chaîne. Moi, j'aimerais simplement dire: tout ce qui est présent que toi tu ne connais pas aujourd'hui, avant qu'on ne quitte de ces lieux, je ne sais pas si je parle à une église vivante, je ne sais pas si je parle à une église vivante. J'aimerais dire d'avance: je ne suis pas venu dans cette église sous le mandat de l'homme de Dieu négocier avec le combat de ta famille. Nous sommes venus ici dire que quand Dieu descend, les choses changent. Quand le règne s'établit, la vie change. Tu me donnes un bon amen, le règne s'établit. La chaîne était présente maintenant. Ma prière, que tout ce qui est présent, mais invisible, soit en trouble maintenant. Ah oui, j'aimerais encore mieux le dire. Que tout combat qui est présent, mais invisible à tes yeux, que dans la soirée d'aujourd'hui, que quelque chose se passe.
ton ignorance sur tes batailles n'affaiblit pas les batailles. Ce n'est pas parce que tu es ignorant un combat que ce combat-là est annulé. La cinquième des choses me fait plus mal. Elle était fille d'Abraham. Héritière de la promesse. Mais esclave du diable. Fille de quoi? Fille d'Abraham. Fille de qui? D'Abraham. Héritière de quoi? Mais esclave de qui? Bien aimé, est-ce que vous savez que Bino Boyebeti être de la lignée d'Abraham, kozala na molongo ya Abalama, c'est être béni d'abord naturellement. Elingi koloba ete yosio pambolama. Parce que Genèse 12 dit, Genèse 12 zoloba, que je bénirai ceux qui te béniront. Et puis toutes les familles de la terre seront bénies en qui? Mais une personne qui est courbée pendant 18 ans, ça c'est une bénédiction. Je pose la question, c'est une bénédiction. Jésus dit cette fille qui est une fille d'Abraham. C'est-à-dire que Jésus reconnaissait qu'elle était héritière et qu'elle avait droit à des promesses. Mais cette oppression satanique a mené une contradiction entre les promesses de Dieu et ce que sa vie dit. Sans oublier que nous aussi qui croyons en Jésus, selon Galates 3:29, nous sommes appelés aussi à participer à la bénédiction d'Abraham. Car la Bible dit, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. C'est-à-dire le fait que nous croyons en Jésus, toute parole que Dieu a déclarée sur Abraham et sa descendance, cette parole nous appartient aussi. Mais comment se fait-il que nous ne voyons pas ce que Dieu a donné à Abraham? Comment se fait-il qu'il y a des gens qui ne sont pas bénis? Comment se fait-il que toi, une fille d'Abraham, tu es oppressé par Satan? Moi j'ai une colère. Tout événement contradictoire à la promesse de Dieu sur ta vie, cette semaine ça doit changer. Parce que je parle à une femme ici, et pendant que je suis en train de parler, j'ai envie de dire à quelqu'un, Abraham a deux types de postérité. Il y a ce qu'on appelle la postérité naturelle, symbole du sable, et puis la postérité spirituelle, symbole de l'étoile. Alors Dieu dit, regarde en haut, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois les étoiles. Il dit, ta postérité sera comme les étoiles. Et puis il dit, qu'est-ce que tu vois? Ils seront aussi comme les sables. Dieu donne à Abraham deux types de postérité. La postérité naturelle est celle qui est terrestre de tous les Juifs. Ils sont bénis naturellement. Mais il y a une autre postérité, c'est une postérité spirituelle de tous ceux qui croient en Jésus. Ils sont aussi fils d'Abraham par la foi. Alors mais regardez la différence entre la postérité comme sable et la postérité comme étoile. C'est que la postérité comme sable est en bas, mais la postérité comme étoile est en haut. C'est-à-dire tout celui qui est connecté à Abraham par la foi, sa place n'est pas en bas, sa place est en haut. C'est pourquoi je déclare tout événement qui t'a mis par terre, je déclare que tu vas monter en haut. Je déclare que tu vas monter en haut. Et ce que j'aime, Dieu ne te donne pas n'importe quelle image. Il ne t'appelle pas toi sable, il t'appelle toi étoile. Et la particularité de l'étoile n'éclaire pas pendant les jours. L'étoile n'éclaire que quand il fait sombre. C'est-à-dire que notre capacité à agir n'est pas
définit au bon moment. Mais c'est quand il y a le trouble, c'est quand il y a le désordre, c'est quand il y a l'obscurité que toi et moi, en tant que des étoiles, ah, je déclare, là où il y a la pauvreté, tu vas prier. Là où il y a les démons, tu vas percer. Celui qui me donne un bon amen, dis à ton voisin, je suis une étoile. Je suis une étoile. Dis à mon, je suis une étoile. Je suis une étoile. Je suis une étoile. Et ce que j'aime avec l'étoile, c'est que l'étoile ne se précipite jamais à prendre l'espace de notre étoile. Chaque étoile est contente là où Dieu la place. Je t'interdis d'être jaloux de celui qui est en élévation. Parce que ton espace est réservé. Tu me donnes un bon amen, ton espace est réservé. Si quelqu'un est élevé, c'est son temps. Si quelqu'un est stable, c'est sa saison. Mais toi aussi, en tant qu'étoile, tu as ton espace et tu as ton couloir. Celui qui bouge un peu comme ça, je prêche. Celui qui bouge comme ça, je prêche. Et pendant que je suis en train de parler, la particularité avec les étoiles, c'est que chaque étoile a son niveau de brillance. Nous sommes tous étoiles, mais nous ne brillons pas de la même façon. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse les autres briller. Mais quand ton temps viendra, je dis quand ton temps viendra, je dis quand ton temps viendra, les gens vont se poser la question, de qui es-tu fils? De quel De quelle église viens-tu? Qui est ton pasteur? Où est-ce que tu cherches Dieu? Il y a ton voisin, je suis une étoile. Et pendant que je parle, l'Esprit de Dieu me dit, la particularité avec l'étoile, c'est que l'étoile a la capacité de diriger les personnes qui sont perdues. Les mages ne savent pas où est-ce que Jésus est. Mais heureusement, il y a une étoile. Je suis en train de déclarer. Tu deviens une référence. Il faut que les gens te suivent pour qu'ils arrivent là où ils doivent arriver. Ah, pendant que je parle, tu deviens une référence. Dans le ministère, une référence. Ah, dans la façon de chanter, une référence. Celui qui me dit trois fois amen, Dieu fait ça. Amen, amen, amen. Amen. Écoutez, Yoka, je vous donne deux vérités sur base de ce que je dis. Jésus-Christ avait un ministère équilibré. Yesu Masiya azalaki na lotomo o etelema malamu. Répète après moi, Jésus-Christ. Jésus-Christ avait un ministère équilibré. Avait un ministère équilibré. Divisé en quatre dimensions. Fais ça. Divisé en combien? Quatre dimensions. Et je crois que si nous sommes les imitateurs de Christ, nous devons imiter ce que Jésus était. Jésus avait un ministère équilibré. Divisé en combien de dimensions? Quatre dimensions. Première dimension, et puis, mais le liboso, c'était la dimension de la parole. Et ça, là, qui est, puis, mais le c'est pourquoi la Bible dit Bible, loba. Que il était dans la synagogue et il enseignait. Azala qui na tempe, lo kati na kote. La parole était fondamentale et c'était la dimension première et fondamentale du ministère de Jésus. Lilobande, Azala qui moboko ya lotomo na Yesu. Je me redis à toute l'église. Na lingi na loba lisusu eklesia. Tout ministère de miracle et de délivrance qui n'a pas pour fondement la parole sera une voie de déviation pour plusieurs. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui que Dieu augmente en toi la soif de la parole. Parce que en fait celui qui a la parole, il se maintient dans la doctrine. Rappelez-vous, dans le monde spirituel, il n'y a pas seulement l'esprit de Dieu. Il y a beaucoup d'esprit. Et si vous commencez à opérer dans les sphères spirituelles, sans avoir pour fondement la parole, facilement vous allez vous égarer au nom d'un don. C'est pourquoi je bénis cette église. Parce que vous aimez la parole. Et cette parole que je vous prêche, c'est le fondement de votre miracle ce soir. Tu me donnes un bon amen, tu es fondé. Tu es fondé.
Jésus avait cette dimension. Mais Jésus était équilibré. En dehors de cette dimension, il avait une deuxième dimension. C'est la dimension de la guérison. Un ministère très équilibré. Donne-moi un bon amen. Il enseigne dans la synagogue. Et après avoir enseigné, la Bible dit, il guérit la femme. L'église du temps de la fin doit suivre l'équilibre de Christ. Vous êtes ici à l'église. Dieu vous a appelé sous le leadership de votre pasteur. Retenez ceci. Dans la parole qu'il vous prêche, il y a une deuxième dimension qui est disponible. C'est la dimension de la guérison. C'est pourquoi la Bible dit, il leur a envoyé sa parole. Et sa parole est là, la deuxième dimension. Sa parole est guérie. Ce soir, après avoir prêché, il y a des gens qui seront guéris. Nous ne sommes pas en train de fabriquer un modèle. Nous sommes en train de suivre un modèle. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de qui? De la guérison. Et puis il y a des gens qui sont venus avec des maladies. Dieu va vous donner la grâce de voir des guérisons ce soir. Et avant qu'on arrive dimanche, tu vas avoir un corps nouveau. Je n'entends pas ton amen. Il dit, tu auras un corps nouveau avec des organes renouvelés. Parce qu'il y a un Dieu de guérison dans la salle. Tu me donnes un bon amen, je parle. Et la troisième dimension que Jésus avait, il prouvait qu'il avait un ministère équilibré. C'était la dimension de la délivrance. C'est pourquoi il n'a pas seulement guéri la femme de son infirmité. Mais la Bible dit, il brisa les chaînes. Parce que vous devez savoir, c'est lui qui dit que la femme était liée. Donc si la femme a été guérie, c'est-à-dire que la chaîne a été brisée. Donne-moi un bon amen. Elle était contrôlée par un démon. C'est-à-dire que les démons étaient chassés. Donc il y a probabilité que quelqu'un soit guéri, mais il a encore des problèmes spirituels qui nécessitent une délivrance. Il y a des maladies, c'est vrai, qui sont démoniaques, mais il y a d'autres maladies qui sont chroniques. Donc quelqu'un peut être guéri, mais il a encore des problèmes d'oppression spirituelle qui nécessitent la délivrance. Et Jésus était tellement équilibré qu'après avoir prêché, après avoir guéri, il est passé à la troisième dimension qui était la dimension de la délivrance. J'aimerais dire à tout celui qui doute la délivrance, qui n'a pas la foi dans la puissance, même si tu ne nous donnes pas ta foi, tu verras des délivrances ce soir. Donne-moi un bon amen, je parle. Je dis, donne-moi un bon amen, je parle. Il y a un Dieu au ciel qui délivre les humains. Et dans cette semaine, que mon Dieu de délivrance soit aussi ton Dieu. Je dis que mon Dieu de délivrance soit aussi ton Dieu. Et la dernière dimension, c'est la dimension prophétique, qu'on appelle la dimension de révélation. Papa, regardez comment Jésus a opéré. Papa, la Bible dit, au début il a enseigné. Après il imposa le main. C'est quelle dimension ça? Guérison. Et puis après il délivra la femme. Parce qu'elle était enchaînée, puis elle n'était plus enchaînée. Mais regardez, personne ne savait que la femme, lorsqu'elle était courbée, c'était à cause de la chaîne. C'est Jésus qui est venu avec la révélation dans le prophétique pour détecter ce que les yeux physiques ne pouvaient pas faire. Je voudrais dire à toute l'église, arrêtons de critiquer les dons que Jésus nous a donnés. Tout ce que Dieu a amené dans l'église est important. Je dois dire la vérité. Quand Jésus regarde une femme, il lui dit, tu avais 5 maris. Et celui que tu as n'est pas ton mari. C'est quel domaine ça? Dites-moi, c'est quel domaine? Prophétique. Quand il regarde Pierre, il lui dit, tu es Simon. Qui lui a dit ça? C'est quel domaine ça? Quand il dit aux disciples,
Allez dans le village qui est en face. Vous trouverez un annonce sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Et puis si on vous pose la question, vous direz ça, ça, ça. C'est quel domaine ça? Jésus n'est jamais arrivé au village. Mais comment il est capable de donner les adresses exactes? Je prie que le Dieu des esprits des prophètes, que le Dieu des guérisons, que le Dieu des délivrances, que le Dieu de la parole, que le Dieu des dimensions soit ton Dieu. Je ne suis pas venu prêcher un Dieu déséquilibré. La Bible déclare, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oué. Maintenant, il commence à définir les catégories des personnes pour qui il est oué, afin que j'annonce la bonne nouvelle aux malheureux et aux pauvres. Et puis, afin que je guérisse ceux qui ont le cœur brisé. Et puis, pour que j'amène la liberté aux captifs. Et puis, la délivrance aux prisonniers. Et puis, le recouvrement de la vue aux aveugles. Voilà un Dieu équilibré qui voit les problèmes de chacun et il les résout par rapport aux dimensions qu'il a dans la soirée d'aujourd'hui. Quel que soit le problème que tu as, il y a un Dieu équilibré au ciel. Je dis, il y a un Dieu équilibré au ciel. Il soigne le corps, il soigne l'âme et il soigne aussi l'esprit. Un Dieu équilibré. Quelqu'un peut bouger un peu sous la chaise. Un Dieu équilibré. Pendant que tu bouges là, que l'équilibre entre. Oui, je dis que l'équilibre entre. Nous ne voulons pas seulement avoir les gens qui parlent bien en langue, mais dans la poche il y a les ténèbres. Non, nous déclarons ceci. Dans cette génération, finis les chrétiens pauvres. Fini les hommes de Dieu pauvres. Le temps arrive où on aura des hommes. Ils parlent rakataba sabrandabaya. Et puis sur la table des millions de millions. Et quand il va dehors, un véhicule d'une marque que les gens ne connaissent pas. Parce qu'il y a un Dieu équilibré. Il touche l'esprit. Il touche l'âme. Et il touche aussi le corps. Tu me donnes un bon amen, je pars. Tu me donnes un bon amen, je pars. Ah, celui qui lève la main reçoit quatre déclarations. Première déclaration, toute situation qui ne t'a pas tué ne bloquera pas ta délivrance. Je répète encore, toute situation qui ne t'a pas enterré ne bloquera pas ta restauration ce soir. Tu me donnes un bon amen et je parle. Deuxième déclaration, ce que tu n'as pas pu fixer par toi-même, Dieu va le fixer pour toi. Elle n'a pas pu fixer son infirmité, mais Jésus l'a fixé pour elle. Je déclare aujourd'hui, les études que tu n'as pas réussies, Dieu te donne la victoire. Le mariage que tu as échoué, Dieu le fixe pour toi. Tu me donnes un bon amen et je pars. Tu me donnes un bon amen et je pars. Le temps qu'a pris ton problème n'annule pas sa résolution. Ce n'est pas parce que tu as fait 18 ans d'infirmité que le temps a rendu impossible l'accomplissement. Parle-moi de ton temps. Parle-moi du temps de ton problème. Je te parlerai du Dieu éternel. Si ton problème a fait 18 ans, il y a celui qu'on appelle l'ancien des âges. Il a commencé à vivre avant le temps. Et celui qui me donne un bon amen, Dieu change ta situation. Je dis, Dieu change ta situation. Regardez ce qui se passe. Quand la délivrance arrive, il y a quatre choses qui arrivent. La première des choses, quand la délivrance arrive, ce qui était caché devient exposé. Ah, je dis ce qui était caché. Toute œuvre du diable cachée devient exposée. Pendant 18 ans, personne ne savait qu'elle avait une chaîne. Pendant 18 ans, l'esprit était
était caché. Mais quand la délivrance est venue, ce qui était caché, je déclare aujourd'hui, tout serpent qui est dans ta maison, tout esprit qui est caché, Dieu commence à l'exposer. Toute maladie cachée, Dieu commence à exposer. Celui qui me donne un bon amen, je pars. La délivrance brise les armes du diable. Dis après moi les armes du diable. Les armes du diable. Le diable, les armes du diable. Les armes du diable. La Bible déclare qu'elle était enchaînée. Mais quand la délivrance est venue, Jésus a brisé la chaîne. Toute arme forgée contre toi. Je répète encore. Toute arme formée. Quelqu'un peut me dire d'abord très bien tout. Donne-moi tout. Donne-moi tout. Toute arme forgée contre toi sera comment? Sans effet. Donne-moi tout. Toute loi qui se lèvera en justice contre toi, tu feras quoi? Donne-moi tout. Tout lieu que foulera la pointe de ton pied, je vous le donne. Donne-moi tout. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous l'accorderai. Donne-moi tout. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Donne-moi tout. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donne-moi tout. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin que tous genoux fléchissent et que toute langue confesse que Jésus est. Donne-moi tout. Nous avons tout pleinement en Jésus. Donne-moi tout. Il a plu à Dieu de poser en Jésus-Christ toute la plénitude de la divinité. Donne-moi tout. Et à la croix, tout est. Le rabasaka tabaria. Et le koto qui rebaya basaya. Que celui qui acclame pour le roi, que sa vie change, que sa situation change. Dis après moi, fire! Shana nabaria nabaya baba saya. Qui est comme Dieu? Parle-moi de tes ennemis. Je te parlerai de mon Dieu. Il est le lion de la tribu de Juda. Quand il rugit, vos ennemis se dispersent. Et je déclare ce soir, ta vie va connaître la délivrance. Quelqu'un commence à élever le Dieu de délivrance. J'aime le règne de Dieu. 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 Est-ce que tu peux être commencé en train d'inviter le règne de Dieu? Demande le règne de Dieu dans tes combats. Le même Dieu qui avait libéré la femme courbée. Écoutez, Église. Yoka, Ecclesia. Nous allons prier avec cette révélation. La délivrance brise le loi établi. Dis après moi, les lois établies. Les lois établies seront brisées par la délivrance. Seront brisées par la délivrance. Papa, Ecclésiaste 1:15 dit ceci. Ecclésiaste 1:15 c'est le Bible. Ce qui est courbé Oyegumbama ne peut jamais se redresser. Côté le donc il y avait une loi qui contrôlait cette femme. Comme elle était déjà courbée, plus jamais elle ne devait se redresser.
redresser. Mais j'ai trouvé un verset qui contredit ce verset. Psaume 145:14. L'Éternel redresse tous ceux qui sont courbés. Je viens déclarer toute loi qui t'avait condamné, Dieu va annuler ça ce soir. Lève la main droite, dis après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute loi. Que les sorciers, que le monde des ténèbres a établi pour contrôler ma famille, pour contrôler ma vie. Aujourd'hui, mon Dieu qui règne par la délivrance, délivre-moi. Règne dans mes combats, règne au milieu de mes adversaires, règne. Quelqu'un claque le main. Chakatabaria. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Est-ce que tu peux claquer le main et prier? Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Chakata parabasanya. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Mandaraga basanya. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Shana Rabaria Vas. Mwanga Mafuta Yaro Yako. Mwanga Mafuta Ya roho yako. Mwanga kama vile uli mwanga juu ya mtume Petro akahubiri injili na watu wakaokoka. Shana dabariaba. Mwanga Mafuta Ya roho yako. Est-ce qu'on peut lever le main? Tombola maboko. L'Esprit de Dieu m'a dit, Molimo nanzamba yebisingai, ce soir, pourquoi y a le lot? La première personne que je toucherai, leur nom s'appelle des étoiles. Ils sont les étoiles qui doivent briller dans cette décennie, allant de 2021 jusqu'en 2030. Ils vont briller dans le ministère, dans les affaires, dans beaucoup de domaines. Levez le main, protocole, soyez dans les rangées. Et pendant que je parle, toute personne qui s'appelle étoile spirituellement et qu'il doit briller, que le Dieu qui m'a oint commence à les toucher. Ils sont des étoiles pour leur famille, pour leur église et pour leur nation. Pendant que je parle, la première personne est là, la deuxième est là, la troisième est là, la quatrième est là. Amenez-le ici. Amenez-le ici. Ils ne pourront pas supporter le feu. Amenez-le ici, protocole. Ce sont les personnes étoiles. Où sont-ils? Voilà. Alléluia. Où sont-ils? Où sont-ils? Dieu délivre leur destinée maintenant. Fais attention. Dieu délivre leur destinée maintenant. Alléluia. Chag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 
Alléluia, alléluia. Ce sont les étoiles. Bazali mizoto. Ce sont les étoiles. Bazali mizoto. Ils sont nombreux, ils sont nombreux. Bazebele, bazebele. Ils sont nombreux. Bazali ebele. Pendant que je parle, Dieu me dit, regarde, je vais toucher les gens qui vont briller dans la société et dans l'église. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez, restez. Amenez-le ici, amenez-le ici. Ils ne pourront pas supporter. Ils ne pourront pas supporter la présence de Dieu. Où sont les étoiles? Où sont les étoiles? Où sont les étoiles? Où sont les hommes étoiles? Ils sont saisis. Ils sont saisis. Diminuez légèrement les chaises. Alléluia. Et poussez sérieusement les chaises. Il y a beaucoup de gens que Dieu touche. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu me dit, deuxième catégorie, ce sont les personnes qui ont un grand appel, mais étouffées. Dieu va les libérer. Pendant que je parle, tout celui qui a un appel, mais qui est étouffé par les démons de la famille, allez maintenant! Fais! Faites attention, il y a des délivrances partout. Je dis bien, il y a des délivrances partout. Pendant que je parle, tout celui qui est appelé à servir Dieu, mais il est étouffé spirituellement, je déclare, sois libéré. Sois libéré. Il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu. Je dis bien, il y a le feu. Les kabayaba, il y a le feu. Il y a le feu. Il y a le feu. Shagadabayakadabayaba. Lokerabuzakantabaria. Ekerezebaïna nabaria. Le resoubranda bayakabaya. Alléluia. Quelqu'un dit après moi, feu. Dis après moi, feu. Tout celui qui est enchaîné, tout celui qui est bloqué, regardez là-bas, il ne pourra pas supporter le feu. Là-bas. Pendant que je parle, je vais compter de 1 jusqu'à 7. Les gens enchaînés seront libérés. Alors on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Au nom de Jésus. Allez, que les chaînes tombent. Allez, tenez là-bas. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Rakatapaya Masaya. There is power in the name of Jesus. Il y a les chaînes qui sont en train de tomber. Toi qui ne faisais que tomber dans le même péché, pendant longtemps ta vie est liée dans le péché de l'immoralité. Maintenant que je parle sous le manteau apostolique, je déclare maintenant, tu es libéré de la puissance d'immoralité. Quelqu'un dit après moi, fire! Envoie ton feu, que toutes choses brillent encore. Envoie ton feu, que toutes chaînes soient brisées. Il me répond par le feu, par le feu, par le feu. Il me répond par le feu, par le feu, par le feu. Envoie ton feu. Envoie ton feu. Que toutes choses, que toutes choses. Brille encore, brille encore. Envoie ton feu. Envoie ton feu. Que toutes chaînes, que toutes chaînes soient brisées, soient brisées. Il me répond par le feu, par le feu, par le feu. Je voudrais prier. Je voudrais prier.
pour toutes les personnes qui régulièrement ils se voient dans des prisons, ils se voient dans l'eau, ils se voient dans des endroits où ils ne connaissent pas. Tu te vois parfois pourchassé par des gens inconnus. Si tu la lèves la main. Tu te vois régulièrement pourchassé par des gens. Et même certaines personnes vont être délivrées parce que il y a des songes que tu vois dont tu ne te rappelles plus. Parce que le diable ne veut pas que tu saches que tu es poursuivi. Lève la main. Pendant que je pars, je commande aux esprits qui vous attaquent dans le rêve et poursuivent vos destinées pour vous empêcher de croître. Pendant que je pars, allez, libérez-le. 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 Lâchez leur destinée. Ils doivent avancer avec vitesse. Et à partir d'aujourd'hui, tes rêves d'oppression se transforment en rêves de visitation. Et je précise, visitation divine. Alors tous ceux qui ont des maladies, je vais demander par maman, si tu peux venir pour un service de guérison. Merci. Alors, tu as une maladie quelconque qui vient de temps en temps et qui part, soit dans les rangées, dans les rangées principales, et touche là où tu as mal. Il y a beaucoup de guérisons qui vont se faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi que ce soir même, maintenant même, quelque chose va se passer dans sa santé et il recevra la guérison instantanée. J'aimerais que tu mettes ta foi en action. Ce n'est moi je prie. Mais la personne qui va vous toucher ce soir, c'est la personne qui a créé ce corps. Alléluia. Alléluia. Il connaît bien le fonctionnement de ton corps. Et ce soir, il y a même des stérilités qui vont quitter maintenant. Ce soir, il y aura des guérisons miracles. Même si tu es passé pour ton frère qui est à l'hôpital, lorsque tu vas rentrer, tu vas l'appeler. Il te dira qu'il se sent mieux. Parce que la puissance de la guérison est disponible. Père, je viens lever ma main et déclarer que toute personne en ces lieux qui a placé sa foi en toi reçoit la guérison maintenant au nom de Jésus. Que la vie de Dieu commence à vous toucher. Je suis en train de commander à toutes les maladies de commencer à disparaître maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que les tensions vous quittent. Que les sucres commencent à se normaliser maintenant. Que les stérilités commencent à prendre fuite maintenant. Que les maux de ventre commencent à disparaître. Que les maladies héréditaires commencent à vous lâcher. Je suis en train de confesser au nom de Jésus-Christ que vous êtes guéri. Que vous êtes guéri. Vivez les miracles. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, il n'y a plus de maladies dans vos corps. Les kystes disparaissent, les myomes disparaissent, les complications sont en train de partir et vous recevez des miracles. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, la main de Dieu vous touche.
touche là où vous êtes. Je suis en train de demander à Dieu qu'il fait des opérations sans anesthésie ni cicatrices. De commencer à vous toucher là où vous êtes. Que sa main vous touche. 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 Recevez votre guérison. Même vos parents et vos soeurs qui sont dans des hôpitaux. Ils sont en train de quitter maintenant. Maintenant. La main de Dieu est en train de toucher. La main de Dieu est en train de toucher. Il y a des gens qui vont sentir comme l'envie de vomir. Il y a des gens qui vont sentir des troubles dans leur estomac. Dieu va vous libérer des maladies. Alléluia. Il y a certains qui verront des signes ce soir. Il y a certains qui vont voir des signes maintenant. Il y a aussi certains qui vont voir des signes dans un mois. Je confesse que toi tu as problème de maternité le mois prochain tu conçois. Mandere Boshaka. Alléluia. Et qui amandara Boshaya. Vous recevez votre miracle. Le Seigneur vous accompagne. Et vous allez venir témoigner du Dieu de Papa Henri, Papa ici. Au nom de Jésus. Alors si tu as expérimenté un miracle, commence à toucher là où tu avais les douleurs. Et si tu es guéri, lève la main. Si tu viens d'expérimenter un miracle, qu'est-ce qui s'est passé ma soeur? Est-ce qu'on veut venir ici? On peut voir le micro rapidement. Tout celui qui a expérimenté un miracle ici, tu n'as plus de douleur, tu avais quelque chose en toi qui est parti. On peut voir le micro. Qu'est-ce qui s'est passé ma soeur? Hein? C'est depuis le samedi. Ouais. Na bande ko sentir panzi na nga oyo. On dirait biloko ezo chuba chuba nga. Même le lo na tongo. Panzi na nga oyo ezala ki bien te. Mais ton pasteur a lobi ke onyonso aza malade asimba place azo yo ka bien te. Na okelo ko moko ebimi kati na ngai. Yes. Yes. Quelqu'un peut pousser des cris de joie pour le roi. Motomo ko peta mololo. Et tu te sens bien. Et tu peux toucher cet endroit-là. Est-ce qu'on peut retourner la gloire à Jésus? Bien-aimé, qui a encore expérimenté un miracle? Bien, mon frère. Qu'est-ce qui s'est passé? Amen, Église. Amen. Bandana, botama na sentira kaba ventre vraiment ça l'a pas sur Aja Kimikolo. Mais quand je priais, je sens comme si elo comme mon corps est coué. Maintenant, on a senti ce qu'on libère, comme il a libéré. On a commencé à faire un mouvement comme je veux. Presse de l'eau. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le roi? Que le Seigneur te bénisse et comble ta vie. Oui, mon frère, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, il y a deux mois passés, il y avait un serviteur de Dieu qui a dit qu'il avait vu une forme de chaîne qui me liait mes mains. Alors, pendant qu'on était en train de prier, et j'ai senti une forte chaleur qui a touché mes mains, et du coup j'ai senti comme si une puissance m'a touché et je me sens vraiment complètement Tu te sens libre. Tu peux sauter là où tu es pour Jésus. Alléluia. Tu te sens dégagé. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Dieu de la délivrance? Je veux que tout celui qui est en ces lieux dise après moi, cette huile m'accompagnera jusqu'à la maison. Dis ça. Cette huile m'accompagnera jusqu'à la maison. Qu'est-ce qu'il y a avec papa? Vous pouvez prendre le micro. Au fait, il est malade. Ouais. Les résultats sont sortis récemment que sa maladie, il y a des complications. Ouais. C'est ainsi que j'ai dépêché mon petit frère ouais. avec un taxi à le prendre à la maison. Comme les médecins ont échoué, je sais que Dieu n'échoue jamais. Ce qui n'a pas pu te tuer n'annulera pas ta guérison. Amen. Levons nos mains, levons nos mains, levons nos mains, levons nos mains, levons nos mains. Pendant que nous parlons, sans la permission de ta foi, de la même façon que Jésus n'avait jamais rencontré les serviteurs du centenier pour avoir sa permission afin d'être guéri, j'utilise ma propre foi pour déclarer que tu es guéri et que cette maladie quitte de ton corps et qu'à partir de maintenant, tu vas voir tes pieds commencer à reprendre le volume normal
Tu vas te lever sur tes deux jambes. Tu vas marcher. Tu vas vivre encore plusieurs années devant toi. Reçois ta guérison. Sois guéri. Sois fortifié. Que le Dieu que nous prêchons restaure ta vie et ta destinée. Quelqu'un peut acclamer pour la guérison. Est-ce que tu peux acclamer pour la guérison? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Dieu qui guérit? Alors, papa, tu es guéri. Obiki. J'ai dit tu es guéri. Obiki. J'ai dit tu es guéri. Nalobi obiki. Que la paix de Dieu soit avec toi. Kimi anansambe salana. Marche bien, marche normalement. Lia, parce que le Seigneur a fait son travail. Kolo asia salimo salana. Quelqu'un peut acclamer pour le roi yes, des rois. Yes. Alors, yes. Avant que je ne quitte cette chair. Yambona longwa netumbelo. À partir de jeudi, donc demain c'est jeudi. Demain. C'est jeudi demain. Amen. Et à partir de jeudi et vendredi. Kobana lobi pe vendredi. Je vais entrer dans le ministère de délivrance des familles. Nakokota na bokango la miamabota. Dieu m'a donné un fardeau à part.